Le Palantir est caché, Rodeur. Mais je peux t'offrir une vision. Viens, je te montrerai le chemin. Retiens-le.
Kaer'nur ne revint pas de son affrontement avec le roi sorcier, la nouvelle de sa chute se répandit dans tout le Gondor. Les forces du roi sorcier se regroupaient, s'emparant rapidement des terres faisant jusque la partie du royaume des Harnur. Certaines régions tombèrent si vite que les lettres envoyées par le premier intendant du Gondor, Mardil, n'arrivèrent jamais à destination. Pendant des générations, nous avons conservé ces lettres non lues, destinées à ne jamais être ouvertes. Nous savons que ces Gondoriens perdus ne les réclameront jamais, mais nous les gardons en leur honneur. Je me demande ce qu'il adviendra des dernières lettres que j'ai envoyées au nom de mon père. Tu n'as pas envie de lire ces lettres ? Inutile. Je connais le cœur de mon peuple. Je sais ce qui est écrit. Norsko. Bientôt, je te marquerai aussi pour rappeler à tout le Mordor que tu m'appartiens. Je vais tu vas souffrir pour l'éternité. Come on.
entendu ça? Bien longtemps que je te cherche sans relâche. Ma peau, elle pousse et elle se tord. Elle enfle et puis elle pend. Et rien, apparemment, ne peut m'aider. Mais toi, tu es le remède aux maux qui me rongent. Celui qui cicatrisera mes plaies. Pour te résumer tout ça, je suis le souffrant. Et toi, le remède. Je survis! Si c'est ça ton meilleur plan, je préfère ne pas voir les plus mauvais. C'est vraiment minable. C'est la bonne. Je survis. Pas de pitié. Juste ici. Je m'occuperai de toi plus tard.